Oui, donc en fait, je te remontre le tableau qui est exposé en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Rennes. C'est Oui. celui-là, l'autoportrait de Poussin au quartier de Port. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux visiteurs de l'exposition. Je reviens à l'autre tableau, celui qui était pressenti au départ, c'est ça? D'accord. Donc le tableau, Ce tableau parle celui-ci. de l'enlèvement des Sabines, du tableau qu'il a peint. D'accord. L'enlèvement des Sabines, c'est une histoire de militaires qui sont sans femme et qui raptent les Sabines, parce qu'ils n'avaient pas de nana. Donc, ici, enlèvement la Sibienne, et ici, on dit, et c'est pour ça le quartier des Lapins, parce que ça, c'est la violence, le déchirement, tout ce que je veux dire. D'accord, ça Donc, symbolise la violence. et le portrait que je fais, Je reviens au portrait. le portrait que je fais avec le quartier des viandes, c'est toujours avec les références à l'exposition de tout groupe. Ça a une explication plus évidente qu'à la vue sur le tableau. Parce que ça, c'est un tableau plus petit. Je crois que c'est 1,20 m par 90 mètres. En fait, c'est un tableau d'une grande série de tableaux sur Poussin. Sur l'enlèvement des Sabines de Poussin, que je l'ai traduit comme l'enlèvement à la Chilienne. Parce que c'est la violence au Chili que je dénonce dans celle-ci, et en même temps toute la violence politique qu'il y a de l'extrême droite vers des gens pacifiques. Oui, dans les années 70, donc ça fait référence aux événements Au Chili. qui s'est passé au Chili. Oui. J'ai cherché toujours l'actualité pour utiliser la matière visuelle, comme appui pour un discours cohérent entre tous les tableaux. Et chaque fois qu'il y a un crime violent qui se passe dans le pays, il y a un nouveau tableau qui apparaît. D'accord. Donc le quartier de Port, il symbolise cette violence. Et dans ce tableau, il y a deux autres éléments qu'on remarque en particulier, c'est la salade et les radis. Oui, là, il faut un peu que Parce que j'ai gratté. que tu voulais être un peu végétarien alors. Je ne sais plus. La théorie et les faits, je ne sais plus. C'était assez juste à l'époque, mais je ne sais plus. Voilà.